Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, après son investiture, que l'édification de l'Algérie à laquelle aspirent les citoyens implique la reconsidération du système de gouvernance à travers un profond amendement de la Constitution. Pierre angulaire de l'édification de la nouvelle République, Al-Jazayr Al-Jadid. Il met en avant l'importance de la moralisation de la vie politique à travers la consécration de la séparation de l'argent et de la politique, outre la lutte contre la médiocrité dans la gestion. Soulignons que la nouvelle République doit focaliser sur l'instauration de l'état de droit qui garantit l'indépendance de la justice et la promotion de la véritable démocratie participative, favorisant l'épanouissement social et politique. On l'écoute. Mabin l'aulawiyat, hiya rafa'a d'dolm. Rafa'a d'dolm an man d'olimo min taraf l'aïsaba. N'rajou l'yem hukoukoum, incha'Allah. In kana kanouniyan, fa min khilal mutalabatana أو طلبنا للقضاء بمراجعة ما لازم يراجع لما تكون فيه ظلم من طرف العصابات. الحوار مع الطبقة السياسية أنا متفتح تماما للحوار مع كل من له نية إطفاء نار الفتنة والفرقة والتفرقة أيا كان أنا مستعد للحوار معه ومستعد للحوار مع إخواني الأربعة إن كانت لهم نظرة في هذا الميادين مرحبا بهم ما يجري على مستوى الكرة الأرضية بدولها الديمقراطية والشمولية وغيرها النسبة المئوية ما تأثرش في الشرعية أولا زايد نسبة مئوية محترمة 58% بالنسبة لإخوان اللي أدلوا بالأصوات نتاعهم ثالثا الحراك راني قلت ونزيد نكرر أني مستعد للحوار مع الحراك مباشرة ومن خلال من يختارونه للحوار حتى نرفع اللبس على كثير من الأمور وحتى نرجع الثقة لبعضنا بعض بأن نيتنا حسنة والله يشهد على ذلك أننا نمشي في جزائر جديدة ما لازم الإخوان والأخوات اللي في الحراك يتيقنوا بأن ما فيش استمرارية للعهدة الخامسة ما فيش استمرارية للتصرفات السابقة إذن إلا كانت تبقى تعيط لهيه وانا نعيط منها وما نسمعوش بعضنا بعض ما قدروش نبنوا مستقبل جديد لهذا البلاد وهذا الشبان اذا الحوار والحوار والحوار ثم الحوار الحوار ثم الحوار ثم الحوار et maintenant on va faire le constat et comparer entre ce qu'a dit Tebboune juste après son investiture et la situation actuelle. Bien sûr, beaucoup d'observateurs de la situation en Algérie ont tiré la sonnette d'alarme sur le retour des taux répressifs, profitant d'une situation exceptionnelle d'incertitude et d'angoisse pour les Algériennes et les Algériens face à la catastrophe sanitaire qui frappe le pays comme le reste du monde. Et de la décision responsable du Hirak de suspendre toutes les marches public qui se déroulait depuis le 22 février 2019. Le pouvoir algérien, faisant preuve d'un cynisme rare, poursuit sa politique répressive envers les éléments du Hirak. La machine judiciaire aux ordres de la justice politique n'hésite pas à maintenir en prison des hirakistes emblématiques et en condamner d'autres militants. Au nom de l'atteinte à l'intégrité du territoire national, et l'incitation à la violence. Ce fut le cas de, à Alger, Seyddine Youssef, Islam détenu le 27 mai 2019. Houari Zouhir, détenu le même jour
aussi. Sofiane Marakchi, détenu le 26-9-2019. Kerim Tabou, arrêté le 26-9-2019. Fersawi Abdelwahab, arrêté le 10 octobre 2019. Walid Nekish, détenu le 26 novembre 2019. Rachid Nekez, arrêté le 4 décembre 2019. Samir Belarbi, détenu le 7-3-2020. Slimane Hamitouj, détenu le 7-3-2020. Brahim Douadji, détenu le 16-3-2020. Khaled Drarni, détenu le 29-3-2020. Mohamed Qassi, détenu le 1er mars 2019. Hamoud Hussein, Hanan Zineddine Al-Abidine, Oussama Aboudi, Fares Assid, Ahmed Mzian, Rafiq Nait Al-Arbi, Oussama Genzi, Zakaria Slimane, détenu le 12 avril 2019. Sofiane Chaouch, Chaban, Arilizan Yassine Doubi, Bounois, détenu le 26-11-2019. Mened Al-Arbi, détenu le 28-11-2019. Abdallah Ben Naoum, détenu le 10 décembre 2019. Yassid Khaldi, détenu le 10-12-2019. Atlemsen Mohamed Sbahi, détenu en 2019. Redouane Mejdoub, détenu le 19-4-2020. Amoustaganem Oussama Tifour, détenu le 12-10-2019. Bilal Mennadi, détenu le 1er 12 2019. Abdel Hafid Farrah, détenu le 31-12-2019. Achlef Toufiq Hassani, détenu le 6-3-2020. Ali Amkoran, détenu le 15-04-2020. Youssef Bouzina, détenu le 22 avril 2020. Abdelkader Jabellah, détenu le 29-04-2020. Abeskara Ali Rbihi, détenu le 16-3-2020. Uqba Mouaouqo, le 31-3-2020. Fahd Nouari, détenu le 2-4-2020. Aloui Hussein, détenu le 26-4-2020. Asaïda El Hashmi Houari, détenu le 7-02-2020. Inti Mouchent Hicham Sahraoui, détenu le 24-02-2020. Malik Riahi, détenu le 3-5-2020. Amédéa Rafiq Diaf, détenu le 16 janvier 2020. Smaïl Gebba, détenu janvier 2020. Atbessa Aziz Bqaqriya, détenu le 2 février 2020. Imad Meharbash, le 3 mai 2020. Abourj Bouaririj. Shrif Ghassoul, détenu le 24-08-2019. Assou Qahraz Khalil Rahal, détenu le 9-04-2020. Annaba Zakaria Bouhassa, détenu le 4-04-2020. Abou Saada Fers Khiouch et Hamada Khatibi, détenu le 15 avril 2020. Al-Bayad Mohamed Lagari, détenu le 24 avril 2020. Mustafa Msaoudi, détenu le 03
mai 2020. À Stif, Walid Kchicha, détenu le 27 avril 2020. À Oran, Elias Bahlet, détenu le 19 avril 2020. Boumerdès, Yassine Boudgzdem, convoqué par la police de cybercriminalité de la police judiciaire. À Djelfa, Djelloul Chedded, arrêté hier après-midi devant le siège de la Wilaya. À Timimoun, Wilaya Dadra, Ahmed Sidi Moussa et Yasser Qadiri ont été placés sous mandat de dépôt par le tribunal de Timimoun hier 5 mai. Et notre confrère Abd Samir Abd El Hay, journaliste. Chaque jour, un militant est internaute emprisonné. La répression n'épargne personne. Voici la nouvelle Algérie dont vous parle M. Tebboune. Les Algériens et les Algériennes ne vont pas se taire. Ils ne céderont pas à ces intimidations quotidiennes. Certes que le Hirak observe une trêve sanitaire. Et lorsque cette crise du coronavirus sera derrière nous, le peuple algérien saura répondre à Tebboune et Co. et de sa nouvelle Algérie. Aujourd'hui, on veut un renouveau algérien conduit par cette nouvelle génération dont l'intérêt est au profit de l'Algérie. Il est temps de permettre à ces millions de jeunes de se sentir acteurs de leur destin et non de le subir. Nouvelle Algérie de Tebboune, arrestation et répression. C'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Brahim Younsi, ancien cadre du MDA, qui est avec nous via Skype. Brahim Younsi, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Atik Sahas Ibrahim. On aura aussi le plaisir d'avoir avec nous dans cette émission Idirou Nouran, analyste politique. Idirou Nouran, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci M. Doudi, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Je vous félicite pour votre édito, vous avez donné du contenu factuel en citant le nombre d'arrestations qui se passent dans notre pays, et c'est sûrement des anonymes, rien que pour ça je vous remercie et je vous embrasse chaleureusement. Merci Idirou Nouran, c'est un devoir de le faire. Abdelghani Badi, avocat défenseur des droits de l'homme qui est avec nous. Abdelghani Badi, marhaba bik, yatik saha li rak ma'ana. Marhaba, Nasser, marhaba, avec tous les téléspectateurs de la chaîne Ouest.
Barakallahu fi. Brahim Younsi, je vais commencer cette émission avec vous. Vous avez entendu tous les noms des militants politiques, bien sûr, et des journalistes, des militants des droits de l'homme qui sont en prison. Les Algériens s'inquiètent de cette recrudescence de la répression. On a eu même des gens qui nous ont appelés ce matin au bureau pour nous dire qu'il y a beaucoup de convocations. C'était des appels de Tizi Ouzou et d'autres régions qu'on envoie beaucoup de convocations aux militants pour se présenter donc, au poste de police. Comment évaluer cette situation, Brahim Younsi, tout en sachant que Tebboune parlait d'une nouvelle république dans son investiture, il a parlé de nouvelle gouvernance, et là, on constate que c'est tout à fait le contraire à ce qui se passe, Brahim Younsi. Autant croire Al Capone. Nous ne sommes pas des bécassines pour savoir que ce régime ne connaît qu'une seule politique, c'est celle de la répression. J'avoue que je suis très surpris du nombre de détenus. Je pensais qu'il était moindre. Or, c'est un nombre très important. Et qui touche presque toutes les wilayas, Brahim Younsi. Je l'ai constaté. Je l'ai constaté qu'il touche l'ensemble du pays. Qui touche l'ensemble des régions du pays. Et c'est extraordinaire, dans un sens. Parce que la révolution continue de vivre sur l'ensemble du territoire également. Parce que vous avez cité des noms, des personnes, des compatriotes arrêtés hier encore. Cela veut dire que la contestation continue. Cela veut dire que la révolution est encore vivante. Ce n'est pas le chat de Schrödinger qui est à la fois mort et vivant, qui est mort et vivant. La révolution est vivante. On a ouvert la boîte, le chat n'est pas mort. Le chat est toujours vivant et la révolution est toujours vivante. Ce régime, lui faire confiance, quelle confiance mérite-t-il pour croire les propos tenus par le président illégitime de la République? Et il sait qu'il est illégitime. Mais comment croire ses propos? Comment croire sa politique, soi-disant d'apaisement? Ils ont compris les enjeux. Ils ont compris les enjeux que la révolution va revenir, et revenir avec une force considérable. Comme dit Gustave Le Bon, les œuvres les plus importantes sont celles de l'accumulation des efforts. La révolution a accumulé pendant plus d'un an des efforts pour faire tomber ce régime en place qui dure depuis fort longtemps. Très bien. Ediru Nouran, bien sûr, Tebboune et le régime en général parlent de rupture avec le système d'avant. Mais on constate que c'est encore plus grave ce qui se passe en ce moment en Algérie. J'ai cité bien sûr dans mon intro tous les noms des détenus politiques. Il y a des personnes qui ont juste posté un post sur Facebook, ils se sont retrouvés en prison. Et c'est très très inquiétant. Quand Tebboune nous dit qu'on va avoir une nouvelle méthode de gouvernance, qu'on va ouvrir le champ politique, qu'on donnera la parole aux hérakistes. Et là, on se réveille ou on ne se réveille pas, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Alors qu'il y a cette crise sanitaire, cette pandémie, les Algériens sont solidaires. Ils essayent d'être solidaires pour faire face à cette crise
alors que le régime de l'autre côté essaye de régler ses comptes avec des noms qui sont liés au Hirak. Oui, évidemment, dans toute la question et les questions que vous posez quand vous vous adressez à moi, vous avez résumé la situation. Le premier élément, c'est que le pouvoir, l'ancien pouvoir et le nouveau qui se restructure encore de manière plus autoritaire, fait face à quelque chose d'inédit. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, il touche l'ensemble du territoire national, ce qui prouve la convergence de toutes les forces, à la fois sociales et politiques, que compte notre peuple. Ça, c'est aussi important. Face à ça, à un moment donné, dans l'histoire post-indépendance de l'Algérie, il y avait une contestation qui était pratiquement localisée de manière loco-régionale. C'était la région Kabyle dans son grand ensemble. Or, maintenant, c'est l'ensemble du territoire national. Ils ont pris la mesure de l'ampleur durant toute cette année 2019 et ils n'ont que la répression, je dirais même plus. Nous sommes dans un régime oppresseur. C'est un régime injuste, c'est un régime antidémocratique. Et dire, ce que vous venez de dire, c'est très important parce que je veux revenir aussi dans la stratégie de Gaïd Salah quand il était de son vivant. Il visait bien sûr l'emblème amazigh, il visait la Kabylie, mais les Algériens étaient tellement conscients qu'ils se disaient on est tous Algériens et les Kabyles, c'est nos frères, les Mzab, c'est nos frères, les Algériens du Sud ou les Algériens de l'Est ou l'Ouest, on est tous frères face à ce régime. Est-ce que vous pensez qu'il y a un changement de stratégie par rapport à cette répression? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a une stratégie. Il faut à tout prix isoler pour eux la Kabylie, qui est une zone frondeuse par excellence, du reste de l'Algérie. Et c'est pour ça que M. Gaïd Salah, à l'époque où il incarnait l'armée, a évalué, a élaboré cette stratégie. Il faut se rendre compte aussi, de manière factuelle, sans pour autant avoir le moindre soupçon contre les autres communautés nationales du pays. Le système n'a pas voulu, s'opposer à la mazérité. C'est plus grave encore. Ils ont stigmatisé les Kabyles. Les gens devraient s'interroger. Le pouvoir n'a pas été à l'encontre de l'essence même du peuple algérien qui est amazigh et tout le monde en convient. Il s'est arrangé pour stigmatiser et monter les Kabyles contre le reste de l'Algérie et vice-versa. Le piège n'a pas fonctionné parce que la Kabylie, grâce à sa maturité politique, a déjoué ce piège. Et ce que je dis souvent, c'est que la Kabylie n'a plus vocation à être instrumentalisée ou bien même discriminée au profit du système. Ça ne doit plus exister. Évidemment qu'il y a une stratégie, évidemment, mais l'ampleur de cette stratégie ou le machiavélisme qui sous-tend cette stratégie n'a pas pu prendre. Et c'est grâce à la maturité de l'ensemble des Algériens, pas simplement les Kabyles qui n'ont pas répondu à la provocation, mais de toutes les régions du pays qui n'ont pas répondu à ce type de provocation. Et je crois que c'est là l'essentiel. Je crois que dans des rares moments, nous avons pu faire un peu nation et un peu peuple. Mais ça, il reste un long travail à effectuer par ailleurs. Et je pense que l'enjeu de la prochaine révision constitutionnelle pourrait être l'objet, pourrait être le bon temps pour essayer de régler tous ces soucis. Très bien. Est-ce que vous pensez que y a beaucoup d'observateurs qui parlaient du retour de Tawfiq Boys, si on peut les appeler comme ça. Est-ce que vous pensez que ces gens-là voient les choses autrement, qu'on voit une touche de Tawfiq aussi, si on peut dire? Ah ben, je vais vous dire, c'est pas la personne du général Tawfiq qui est un homme âgé, qui est un homme malade, qui est en prison. Et qui est en prison, il faut le dire aussi, parce qu'il faut... Qui est en prison... Mais il y a beaucoup de... Edirou Nourani, il y a beaucoup de personnes qui ont été rappelées et qui étaient proches de Tawfiq. Oui, on est tout à fait d'accord. Le général Mjahed, les nouveaux directeurs centraux des services de sécurité, etc. Ça, c'est évident. Les Tawfiq Boys sont arrivés. Ils reviennent encore. Mais c'est pas la personne de Tawfiq, du général Tawfiq. C'est le système du général Tawfiq qui a prévalu depuis le début, au milieu de la crise de 94-95, et qui a duré 25 ans, et qui a mis toute la société algérienne, partis politiques compris pour certains d'entre eux, dans une espèce de manipulation et dans une espèce de jeu pervers.
Ils se sont dit probablement que le système a marché, on va donner l'illusion d'un changement de personnel avec un discours politique plus avenant, plus ouvert, en disant plus cette gouvernance, on va essayer de dépolitiser l'armée. Et moi je l'ai dit souvent, si l'état-major de l'armée, cette jeunesse de l'armée, ces jeunes généraux n'ont pas compris les aspirations du peuple algérien, ils doivent procéder eux-mêmes à leur propre mutation interne pour se mettre justement au service de cette jeunesse qui, elle, a muté, qui, elle, veut vivre dans la paix, qui veut vivre dans un état de droit, qui veut vivre un pays institutionnel avec des institutions crédibles, avec une justice libre et indépendante, avec une presse libre, avec des maires qui jouent le rôle de maires, qui ne sont pas des fonctionnaires élus. Et c'est toutes ces questions-là que pose la société algérienne. Mais comment régler ce problème? En espérant que la révolution puisse elle-même sécréter de nouveaux acteurs, trouver les outils et surtout avoir la bonne méthode. C'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Cette jeunesse est formidable, cette jeunesse est belle, elle est généreuse, elle est ouverte sur le monde. On ne peut plus vivre dans ce même paradigme de pensée où c'est un système oppresseur, c'est un système injuste, c'est un système criminel. Très bien. Restez avec nous, Eddy Renorin. Abdelghani Berdi, qui est avec nous aussi, avocat défenseur des droits de l'homme. مرحبا بك مرة ثانية عبدالغني بادي. أنت كمحامي عبدالغني بادي يعني وتابع الأمر الآن في الجزائر ونددت يعني كثير من المرات على التجاوزات وليزاريستاسيون اللي رانا نشوفوا فيهم وانت محامي للكثير من الناس اللي راهم الان يعني من لي ميليتون بوليتيك ولا لي بيرسوناليتي بوليتيك ولا لي ميليتون دي دروا دو لوم يعني كيفاش راك تشوف الوضع في الاونه الاخيره هذه استاذ عبد الغني باد؟ أمر من التدهور يعني الامر الحقوقي في الدستور غير مسبوق. الاعتقالات تقريبا الى نحصي الضحايا كورونا ونحصي في نفس الوقت الضحايا بينهم كل يوم عندنا اعتقال في واحد في ميمون في الشيخ في بوسعاده في 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 كل مكان يعني في الغليزان في البيض الاسبوع هذا فقط كان في ثلاث احكام انا نقول ثلاث احكام على شخص من تموشنت ناشط وشخص من البيض وشخص من الشبه ب 18 شهر حبس نافذ ثلاث احكام ب 18 شهر في غضون اسبوع واحد ناهيك عن الاعتقالات في كل مكان وشفتوا الاعتقال مثير للجدل في تيميمون يعني تيميمون هذه فيها قساوة الطبيعة فيها العزلة فيها التهميش فيها عزل الجنوب لسنوات ومظلومية الجنوب لا ينكرها أحد بأن الجنوب منذ الاستقلال هو تقريبا عارش خارج التاريخ يعني في الجنوب هذه الناس ما لقاوش مستشفيات ما لقاوش بنى تحتية ما لقاوش طرقات ما لقاوش لقاو فقط مخافر الشرطة ومحاكم حاكمهم على مطالبهم السياسية. الآن نحن نعيش وضع متردي جدا. وضع النظام يريد فيه أن يقمع كل صوت في رغبة متسارعة استغلال هذا الكورونا في أكبر قدر ممكن من الاعتقالات. وعلاش أستاذ عبد الغني بادي وعلاش يعني وعلاش يحب يستغل هذا الوضع اللي الناس راهي شغله يعني مع هذا الوباء هذا الجائحه يعني وعلاش راهو يستغل هذا الوقت يعني اسك راهو خايف من ان الحراك سيعود بقوه ولا هو في الحقيقه باش يكون واضحين هو رب ضابه نافعه يعني باش يكون واضحين هو راهو يضر بنفس النظام يعتقد لأنه بهذه الاعتقالات قد ينتصر على الإرادة الشعبية وقد يستطيع أن يوقف هذا المسار التحولي الذي يبحث عنه الجزائري. الجزائري سيعود بعد كورونا ليطالب بدولة الحقوق والحريات ودولة المؤسسات. الجزائري ما زال متمسكا بمطلبه حتى في مرحلة الكورونا وما بعد الكورونا
وهو مصموم، لكن الخطأ الذي وقع فيه النظام في اعتقاد منه أن عدم وجود رأي يعني مهتم بشكل كبير، يعني مهتم بالشأن السياسي أو الشأن الحقوقي، توجهت الأنظار في فترة أولى إلى الشأن الصحي بشكل كبير، وتوجه كذلك الرأي العام الدولي إلى الوضع الصحي. يعني تقريبا النظام يعتقد بأن الناس مشغولين بهذا الوباء، ولم ما كانش هناك احتجاجات تحتج على الاعتقالات. عندما كان تعتقل شخص واحد وتديه المحكمة عبد الرمضان، يتظاهر أكثر من 1000 شخص عند المحكمة، احتجاجات ومظاهرات وتمديدات، والحراك يوم الجمعة يكون أكبر وزخم، ويوم الثلاثاء يرتفع أكثر وينتشر. الآن هم يعتقدون باللي بعدم وجود الاحتجاجات وعدم وجود حراك يندد وحراك يرفض هذه الممارسات، ربما هذا يكون عامل مساعد على استغلال هذا الظرف. وهذا في الحقيقة أنا نسميه في الحقيقة هي فجور في الخصومة. خليني نسميها فجور في الخصومة، لأن إذا كانت خصومة سياسية بين منظومة الحكم وأشخاص تعتقد بأنهم يعارضونها، فعلى الأقل يكون حد أدنى من الأخلاق، أخلاق سياسية، أن هذه المنظومة فقدت أخلاقها عندما تعتقل الناس في شهر رمضان بمنشورات فيسبوكية، تعتقلهم في شهر رمضان وفي فترة كورونا، وتبعد الناس على أهلها فقط لأنه اعترض على عبد المجيد تبون، واعترض على منظومة عسكرية، واعترض على مسار انتخابي يعتري أنه غير منتج للتحول. نجيبه نديره من امبرينيولو لبيبليكاسيون تاعو في فيسبوك، ونديروه في لاجيونيو في التريبيونال، ونحاكموه ونعطوه 18 شهر. هل هذا راح يصنع مودة بين الشعب الجزائري وهذه المنظومة؟ هل راح يبني جسور ثقة؟ هل هذه هي أن النظام الآن يمد أيده؟ بالعكس، هو الآن يقطع كل جسور ثقة ويعطي انطباع لأنه خصم غير شريف، وأنه خصم لا يتقن السياسة. أنا أقول لك، أنا البارح درت واحد المقارنة بسيطة بين بوتفليقة وتبون مثلا. الآن تبون يبدأ من حيث انتهى بوتفليقة. إيه، هذا هو سي عبد الغني بادي، يعني أستاذ عبد الغني بادي قال في الديسكور تاعو دانفستيتور، قال باللي احنا يعني ستكون فيه قطيعة مع النظام تاع بوتفليقة، ويعني هو بارك في الحراك وبارك في هذه الثورة، وقال باللي ستكون فيه سياسة جديدة وانفتاح على الآخرين والحوار ثم الحوار ثم الحوار. والآن الناس يعني الجزائر راهي تشوف باللي واش قال راهو في واد، والشيء اللي راهو يصرى الآن رانا في واد آخر. نعطيك مقارنة بسيطة قياسا على ما قلت وإضافة على ما قلت، حتى باش ما نكررش، قلت أنه مهم جدا، أنا نضيف عليه الكلام اللي قلته، أنا نضيف عليه. عندما سئل في قناة لا أذكر اسمها احتراما للخط، ذكر في قناة على كان مترشح وظهرت له صوت عن برقعة وطابو وفضل بومالا كان مسجون آنذاك، وثم بابي كانوا مازالهم كلهم في الحبس. سئل عن موقفه من سجن هولائي في قناة أجنبية، فأجاب بأن هولائي بين يد القضاء، والقضاء عليه أن يتخذ مساره، وأن لا دخل هولائي في القضاء، وأنا يحترم قرارات القضاء. أما الآن فنشوف بأن هذه المنظومة لا تحترم القضاء. في كل أسبوع، يعني مرة في الأسبوع تنصب محكمة تجيب مسؤولين سواء من قضاة النيابة أو وزير الإعلام أو رئيس السلطة التنفيذية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء سي عبد المجيد تبون، بيتكلموا في قضايا الصحفيين، يوصفوهم بزارعي الفوضى، يوصفوهم بالخارج عن القانون، يوصفهم بالخبارجية. هل هذا يبني دولة القانون؟ هل هذا يكرس الاستقلالية القضاء؟ هل هذا يحمي قارين البراءة؟ هل هذا يبعد الضغوط وأشكالها عن القضاة؟ هل هذا كان قبل الحملة الانتخابية وأثناء الحملة الانتخابية قال هذا الكلام؟ هذا الشيء يعطي انطباع بأنه هذا ما حدث في زمن بوتفليقة. بكل صراحة، احنا عشنا زمن بوتفليقة بكل رداءته،
لكن لم نكن نرى بوتفليقة يعلق على ملفات مطروحة من القضاء. لم نكن نرى وزير يعلق على ملفات مطروحة من القضاء. لم نكن نرى قضاة نيابة يأتون إلى التلفزيون العمومي يتكلموا على 3 أو 4 صحفيين مسجونين ما زالهم محميين بقرينة البراءة. هذا شيء يعني هذا انحراف. انحراف على استقلالية القضاء وانحراف على الفصل بين السلطات، انحراف على الدستور، انحراف على المادة 55، انحراف على المادة 166، انحراف على المادة 147 من قانون العقوبات. هنا أنا نمشو هل نحن في الدولة أم نحن فيما قبل الدولة؟ هذا هم التصورات الخطيرة اللي لازم هنا الطبقة السياسية، إذا كانت طبقة سياسية جادة تريد الخير في البلاد وليست طبقة سياسية موسمية تديسيزون هكذا يجي في فترة الانتخابات والرقص على 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 مآسي الجزائريين يجيو يرقصوا على مآسي الجزائريين ينددوا بهذه الممارسات يقولوا موقفهم قال لا قضايا هذول أمام القضاء ما تكلموش فيهم وقضايا الرأي لازم يفرج عنهم ولا يعتقل شخص لأنه كتب على الفيسبوك موقفه السياسي من العسكري طاريا أو من تدخل في عمل القضاء أو علق على مسار انتخابي غير منتج من المفروض وراهم الأحزاب السياسية يا أخويا نصر وراهم الناس اللي كانوا يدعوا بأنهم عندهم تصور سياسي وعندهم خارطة الطريق وعندهم اقتراحات وظهروا علينا خبراء في التلفزيونات الخاصة والعامة من 22 فبراير وهم يفتينا بأن 100 خارطة الطريق الآن نشوفوا أصوات خافتة إلا من رحم ربي وخشية يوم لقائه يقول بأن هذه الأمور لازم بتحدثش إذا كنا فعلا نريد أن ننتصر الجزائري وننتصر للجزائر وننتصر لدولة تحقق القانون يجب أن نقول لمن أحسن أحسن ولمن أساء أساء وهذه هي الدول تنشأ وهكذا تنشأ وتتأسس وتبنى في المؤسسات عندما نقول الأشياء الخاطئة إنها خاطئة وما نخافوش وأولا وما نجاملوش وشكون يكون ما نجاملوش لكن الأحزاب السياسية الظاهر أنها عندها واحد انسحاب فيه كثير وفي كثير من التراجع نشوفوا اعتقالات يومية وليس الحزب السياسي بياني نتك يا أخي أنا نقول لك الحزب الوحيد اللي يرى يصدر بيانات هو حزب الأسد بكل صراحة حزب الأسد الحزب الوحيد اللي يرى يصدر بيانات وأنا من هذا المنظر نحيي الأستاذة نائبة سادت في الطاولة والله ما تخلي معنا محكمة وما تخلي معنا مجلس إلا وتتنقل معنا في ربوع الوطن كامل واليوم كانت معنا سنيفات معنا في غينيزان بدون وهذا الأستاذ عبد الغني يعني الكلام اللي قلته باش نضيف عليه برك اسمح لي قطعتك هو السؤال اللي يطرح نفسه يعني أين هي هذه النخبة أين هي هذه الأحزاب التي تدعي أنها يعني معارضة للنظام ماكش قادر دير بيان احتجاب ماكش قادر دير بيان استنكار انت تشوف اعتقالات يوميه وتشوف رئيس السلطه التنفيذيه وتدير الاعلام وتشوف النقابات النيابيه يجيو يحاكموا الناس في التلفزيون العمومي وما ديرش بيان تمديد وما تقولش هذا الامر من المفروض ما يكونش وانت تقول انا عندي حزب سياسي وعندي في مشروع الحزب وعندي مبادئ الحزب وعندي ومن بينها بناء دوله الحق والقانون وما عندك الشجاعه والجراه انك تلبس بهذه الممارسات وبهذه الخراجات انك تمدد باعتقالك في شهر رمضان في شهر في فترة كورونا وبائية فيها مرض فيها وفيات فيها خوف فيها كذا الناس بعاد عن أهاليهم أنا شفت أم الشاب من تيموشنت تبكي بحرقة على ابنها الذي حكم عليه 18 شهر ونشوف أبناء سامية بالعربي تعرف في صورة وضع لا يمكن أن تنظروا إليها ونشوف مسلم من خميطوش ونشوف خونا من تيميمون يعني كيفاش إنسان بسيط إنسان قهرات البيئة وقهرات الطبيعة وقهرات التهميش وقهرات نهب ثرواته وقهر كل شيء فوق هذا كل شيء نزيده عزلة على عزلة على قهر على ظلم يعني هناك حابين تروح ابقى معنا أستاذ عبد الغني بادي ابقى معنا كلام يعني مهم وفي الصميم إبراهيم يونسي quand on entend ce qu'a dit maître Abdel Ghani Badi on s'inquiète bien sûr, mais les dérives qu'on est en train de voir ces dernières semaines et ces derniers mois,
concernant bien sûr les militants politiques, militants des droits de l'homme, et même aussi la revue El Jaysh. On parle bien sûr, Tebboune a parlé de Khabarji. Il a accusé le journaliste Al-Drani de Khabarji. El Jaysh aussi s'y met. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un foyer pour beaucoup de traîtres. Donc c'était dans la revue de El Jaysh hier. On est revenu, Brahim Younsi, à ce langage de traître, au trouine. Cela a toujours existé, hélas. On a assassiné des leaders de l'opposition parce qu'ils ont été accusés de traîtrise. Cela n'est pas nouveau. Cela a toujours existé. Il est clair que le système, que le pouvoir illégitime, veut absolument mettre un terme à la révolution. Il est clair que ce système, sur le plan démocratique, il n'en a pas la culture, il ne l'a jamais eu. Mais c'est à la société. C'est à la société d'instaurer la démocratie dans sa quotidienneté. Parce que c'est la société qui est en train de produire du changement, de produire le langage du changement. Il est vrai qu'il faut penser à ceux qui sont détenus, et c'est extrêmement important. Mais il faut aussi que les ruptures, quand je dis les ruptures qu'il y a dans la révolution, soient analysées, soient bien comprises pour que la révolution puisse démarrer. Bien sûr que cette rupture de la révolution, sur le terrain évidemment, est due au Covid-19. Mmh. Cela est la palissade, si j'ose dire. Mais l'exercice du politique se fait également dans la société. Il se fait sur tous les espaces de la société. Cela est extrêmement important par rapport à ce que le pouvoir non seulement fait, mais ce qu'il envisage de faire. Ce qui m'interroge davantage, c'est ce que le pouvoir envisage de faire. Et comment la révolution, après le déconfinement, après le Covid, envisage également de faire? Quelle continuité dans la révolution doit-elle donner à la discontinuité qu'elle a connue? Cela est extrêmement important à se poser comme question. Qu'est-ce que le pouvoir envisage de faire, Brahim Younsi, d'après vous? Lui, on le voit, il envisage de verrouiller l'ensemble des espaces. Mais c'est à la société de rester à la fois dans l'espace des raisons, et rester également dans le champ des possibles. Parce que c'est ce champ des possibles que le pouvoir illégitime veut absolument abattre. Mon ami Idir a parlé tout à l'heure de la Kabylie. Parce qu'il y a un champ des possibles aujourd'hui, il y a un principe de non-séparabilité. La Kabylie est inséparable du reste. D'une manière ou d'une autre, la stratégie du système, et c'est ça ce qu'il faut envisager, le système est en train de préparer, comme d'habitude, à ce que les uns soient opposés aux autres. Il faut absolument que les uns et les autres restent dans le champ des possibles. Reste dans le champ de la conciliation. C'est ce que le pouvoir envisage de faire. Il veut absolument imploser la révolution. Il croit que le Covid-19 l'a déjà implosé. Mais, comme dit Lewis Carroll, ce n'est pas le sourire du chat de Chester High. Vous savez, ce chat qui disparaît dans Alice des Merveilles, et qu'il ne reste que le sourire. La révolution du sourire ne restera pas qu'avec son sourire. Elle va passer à d'autres étapes. Mais ce que dit
ce qu'a dit Si Abd Ghani Badir, c'est extrêmement important sur le plan politique. Quand il parle des partis politiques, enfin, partis politiques, je mets des guillemets, il y a longtemps que moi-même je dis qu'il n'y a pas de partis politiques. Et mon ami Edir entend aujourd'hui que les partis politiques n'ont plus d'existence. Ils sont une fiction dans la société politique. Il a raison de dire aussi, Abd Ghani Badi, il a raison de dire qu'un seul parti, ce qui est vrai, et il faut le dire, un parti, le seul parti, comment dire, agréé, qui fait son travail politique, qui est sur le terrain et qui publie beaucoup de choses et qui fait des communiqués contre la répression, et cette répression qui s'amplifie contre la population et contre les individus qui sont dans l'action, qui sont dans l'activité. C'est extrêmement important de constater, comme il vient de le faire, que les partis politiques sont évanescents. Ils ne sont pas dans l'existence, ils ne sont pas dans la réprobation, ils ne sont pas dans le combat, ils ne sont pas dans la lutte. Très bien. Je sais, Edir Onouran, je reviendrai à vous, je sais que vous voulez rebondir peut-être par rapport à ce qu'a dit Brahim Younsi. Oui, tout à fait. D'abord, je tiens à féliciter Maître Badi, que je ne connais pas personnellement, pour son honnêteté intellectuelle et la qualité de ses propos. Par ailleurs, il est vrai que dans l'espace politique actuel, il n'y a que le RCD à travers son président, M. Mohsen Belhabès, qui essaye d'exercer son rôle de parti politique. Quand Brahim dit qu'il n'y a plus de parti politique, j'ai pas toujours été d'accord avec lui. Dans tous les partis politiques d'opposition, il y a des crises internes, alimentées soit par les gens du système pour les faire imploser, soit par paresse intellectuelle et politique. Je crois qu'il faut classer maintenant l'ensemble des partis politiques dans des courants de pensée politique. Et le drame dans notre pays, c'est que l'opposition ou ceux qui prétendent donc représenter l'opposition, à juste titre, vous pouvez oublier beaucoup de personnalités politiques qui sont dans l'opposition, Madame Zoubida Hassoul, Karim Tabou et plein d'autres, je ne peux pas tous citer ici, mais hélas, ils sont dans ce que j'appelle, moi, la métapolitique, avec aucune stratégie d'aller au choc frontal, de proposer une alternative, avec une stratégie de prise de pouvoir. Donc on est là à faire des commentaires sur ce que propose le système. Mais il n'y a pas d'alternative, de construction d'alternative. Il y a des propos éculés, des petits poncifs sur les libertés, sur l'indépendance de la justice, sur la liberté de la presse, et c'est bien qu'ils fassent leur travail. Cependant, Brahim a dit une chose, et on l'a évoqué il y a quelques jours dans une autre émission, sur la discontinuité du Hirak, et profiter de cette discontinuité pour se préparer aux étapes suivantes. Et ça, c'est très important pour le devenir du pays. Et c'est là que va se situer tous les enjeux. Mais le système, il joue sur du velours pour le moment. Il maîtrise l'agenda, il a ses zones, il a encore l'état profond, il a encore de l'argent, que vous le vouliez ou non, mais cet argent, au lieu qu'il soit mis au service du peuple algérien, il est exclusivement mis avec même des conseils en communication supranationale qui les conseillent. Ce qu'il faut dire aussi, et là je rejoins les propos de Maître Badir, quand il parle de la misère, l'extrême misère des gens du Sud, je tiens simplement à dire, quand il y avait un fonctionnaire, ou même un fonctionnaire dans tout l'espace public, de la fonction publique algérienne, qui avait une mutation au Sud, elle était considérée comme étant une punition. À croire que le Sud ne fait pas partie du territoire national. Ça, c'est un. Et ça montre criardement le fait qu'il n'y a eu aucune répartition équitable des richesses. Comme a dit un vieux personnage du Sud, un Touareg, je pense qu'il n'est pas de lui simplement, la vache est au Sud et le lait est au Nord. Et ça résume évidemment toute la précarité de nos populations et de nos frères algériens qui habitent dans le Sud. Comparativement à tout ça, M. Doudi, nous sommes arrivés à un stade où
il faudra prendre des décisions. Il faut que le Hirak, dans sa nouvelle dimension, dans son nouvelle énergie, ait du courage. Et avoir du courage, comme a dit Mandela, pour un peu jouer et faire comme M. Brahim Younsi, et qu'il m'excusera, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Nous sommes dans cette configuration-là. Il faudra que nous unissions tous nos efforts pour essayer, à la limite, de déstabiliser ce régime qui nous oppresse, ce régime qui ne produit que de l'injustice, que de la désespérance, et qui est là uniquement à vouloir se pérenniser et à vouloir profiter de ce qui reste comme argent du pays. Restez avec nous, Edir Nouran. Oustad Abdelghani Badi, qui nous voit مجلة الجيش ونشوف ما جاء في هذه المجلة اللي صدرت في ماي يعني في هذا الشهر الويل لخونة الوطن وقوف الجيش الوطني الشعبي إلى جانب المواطنين لم تستسغها الحفنة الماردة فراحت تلفق الأكاذيب والتهم وتزرع الشكوك والظنون في وطنية واحترافية أحفاد جيش التحرير الوطني وقيادتهم يعني رانا نشوفوا مازلنا في هذاك في اللغه تاع يعني لو لونغاج مناسون يعني وين رايحه الامور عندما نشوفوا هذا يعني هذا التخويف والتهويل هذا لا نقرا لك واحد الفقره تعرف تعطي انطباع على ان المستوى منحط جدا 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 فلم يتقبلوا مثلا شعار شعب جيش خاوة خاوة فأسرعوا ينباحون كالكلاب المسعورة مدنية ماشي عسكرية معناها الإنسان يطالب بمدنية الدولة ويريد إبعاد العسكري طارية يصبح ينبح كالكلاب هذا هو الرقي في النقاش وهذا هو الرقي في الحوار وهذا هو طبيعة المنشورات. سي غراف يعني كي نشوفوا أستاذ عبد الغني بادي. واحد يطالب بدولة مدنية عسكرية. إيه. سميه أنت ينبحون كالكلاب المسعورة. يعني هذا عبارة تعرف والله العظيم غير شوف أقل ما يقال عنها أنها تعطي انطباع على انعدام مستوى كاتبها. اللي هذا اللي يكتب هذا المقال هذا بعيد كل البعد على روح التسامح. على قيم الإنسانية على شرف الخصومة على أخلاق يعني العامل الصحفي على الخلافات السياسية احنا نؤمن بأن موقفنا مع السلطة هو خلاف سياسي وهما يصنفوها على أنهم هما حق احتكار الوطنية لهم ودون ذلك يعني بأن هذا المقال ما تركت حتى جهه لا اعلاميين لا حقوقيين لا سياسيين لا فيسبوكيين تطرقت الى كل فئه تمتهم كلهم ووصفتهم بوطن وطن منهم حمى منهم الذين يحبون الوطن هم يعطيك هذا الحق لكن مفروض وتوزع الوطنيه من الذي يعطيك حق انك تقول على فلان بانه يحب الوطن وفلان يكره الوطن شكون كذلك انتم اصبحتم بالسلطه اللي تملكوها تخونوا الناس الوطنيه لمن تشاؤون يعني هذه الوطنيه لا هي وصف الحس تمتلئ في طرف السلطه في علي حتى في الاخير اصبح المتابعات كلها فيها عبارة وطنية المساس بين سلامة ووحدة الوطن الإضراب للمصلحة الوطنية الأمن الوطني ستادير تقريبا هذه داروا نصوص الوطنية ومقالات في الوطنية ودروس في الوطنية وكتابة في الوطنية وامتلكوا الوطنية ولكنهم لم يقدموا الوطن فيها في الوقت ما هوش قادر يخدم من بافات بدل يجيبها في العشيه ماهوش قادر يبني دولة من خلال حوار من خلال نقاش من خلال أعمدة الديمقراطية ومؤسسات الديمقراطية واستقلالية القضاء ما عندوش الشجاعة أنه يمكن الناس
من التعبير بكل أريحية في صفحات التواصل الاجتماعي ومنصة التواصل الاجتماعي، يجعلها من كل منابر متاحة له، تلفزيون عمومي، قنوات خاصة، جرائد، كل وسائل متاحة هو عنده. يملك المواطن فيسبوك، ويملك الإعلام، يملك الجرائد، يملك داكشو، حتى الجرائد اللي كنا نتمنى نشوف فيها خيرا من اللي شروها كان بارك الدكتور العناوين، لكن الأمور تتضح الآن. هذه الأفكار وهذه التصورات هي إرهاب حقيقية، تعطي انطباع بأن هذه السلطة تتخبط عندما لا نجد الحلول، ونجد نفسنا في مواجهة الانسداد الحقيقي في حل كل الأزمات من الجد إلى خوين الجهة الأخرى. إحنا عمرنا ما قلنا عليهم كلاب مشخصين بين منشورات نشرب بكل رقي، عمرنا ما وصلنا طبعنا نقولوا بأن يعني سي بادي حتى في وقت القايد صالح، سمحني خطعتك، حتى في وقت القايد صالح كان يستعمل يعني ألفاظ مثل المغرر بهم، ولكن ما سمعناش هذا الانحطاط، يعني لو يقولوا يعني كلاب حشر. لا، هذا تدني الأخلاق، يعني عدم ثقافة سياسية. عبد الغني بادي، أستاذ عبد الغني بادي، معليش، ممكن يعني يعودوا يتصلوا بك الإخوة، ولا بدل برك المكان، بدل برك بلاصه، راهم يقولوا لي الاخوه ممكن يعني لو ريزو يكون احسن. مسموح راك مليح هكذا، اقعد. حبيت برك نخليك يعني والاخوه اللي راهو معانا لي زانفيتي كي سونت افيك نو، ابراهيم يونسي وديرو نوغان، نسمعوا برك. اون فايكوتي سيت فيديو دونك سيت سو روبورتاج كي ايتي في بيان سور par une chaîne privée, quand il y avait le déplacement de Tebboune en 2017, et que c'était un déplacement, bien sûr en France, il y avait une rencontre avec le Premier ministre français, et que c'était une rencontre qui n'était pas déclarée, on peut dire qu'elle était en cachette. On écoute. الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بطلب من هذا الأخير المتواجد في عطلة سنوية بفرنسا منذ الخميس الفارط، ولم تتسرب أي معلومات حول فحوى اللقاء الذي جمع الوزير الأول عبد المجيد تبون بنظيره الفرنسي. إذن لقاء الوزير الأول عبد المجيد تبون بنظيره الفرنسي بباريس تم دون علم السلطات في الجزائر، إذن اللقاء يعتبر الأول من نوعه يقوم به مسؤول سامي خلال فترة العطلة. ولقاء تبون مع الوزير الأول الفرنسي تم بصفة مفاجئة دون أجر. عبد الغني بادي، حبيت نسمع يعني رأيك في هذا الفيديو. يعني أنا ذاك في 2017 تبون كان إليتي برومي مينيست، كان رئيس أول، وكان فيه يعني حسب هذا التقرير لقاء مع الوزير الأول الفرنسي، وكان هذا اللقاء دون علم السلطات في الجزائر. هو هدر على الخبرجية يعني وفي الكلام تاعه، ورانا نشوفوا يعني حتى هذا يعني الارتيكل تاع في لاروفي تاع الجيش اللي يهدر على الويل لخونة الوطن. يعني واش رايك في هذا الفيديو اللي سمعته الان؟ والله شوف اخي ناصر، انه الشعب الجزائري على وعي تام، على وعي تام بمن معه هو ومن ضده، هو يعرف جيدا اللي عندهم اجنده، عندهم اجنده مع الخارج، ومسجلين نفسهم في اجنده الخارج، واللي يمارسوا العمل الخارج، ويعرفوا جيدا المواطنين الشرفاء المخلصين الموجودين في الساحات، موجودين في الميادين، موجودين في الواقع، موجودين من اجل يعني نصرة القضايا العادلة وبناء دولة الحق. النظام الجزائري معروف عليه بأنه منذ الاستقلال تقريبا، وعنده تواصل مع تقريبا مع كثير من الدول على غرار فرنسا ومسؤولين فرنسيين، وهذا الشيء معروف من خلال صفقات أبريمات، من خلال الامتيازات الممنوحة. عندما يلتقي وزير أو يلتقي رئيس حكومة مع مسؤول فرنسي في إطار يعني غير رسمي، فأكيد هذا يكون محط أكثر من شك على مسألة متى لا تخدم الوطن. لكن احنا دائما نبقي على كل مسائل يمكن أن تعرض على القضاء. كان من المفروض تلك المنظومة السابقة، لو كانت حتى هي سابقة
لو كان يعني مسألة يعني منقدروش هذه حكاية تلاقى مع فيليب إدوارد كتيرا منقدروش نقولوا حقيقة من كذبها، لأنه المسألة الجهات الفرنسية ما أكدتهاش وما نفتهاش أكثر من هذا، خلتهم يتصارعوا فيما بينتهم. السلطات الجزائرية من المفروض أنا ذاك إذا كانت متيقنة بأن هذا اللقاء يدخل في إطار غير رسمي ويقدر يصنف في دائرة العمالة ويصنف في دائرة الخروج على واجب التحفظ وأخلاقيات العمل الدبلوماسي إلى آخره، كان من المفروض أنه يتخذ إجراءات ويعني يبلغ الرأي العام بكل تفاصيل. ومن المفروض حتى منظومة الحكم اليوم إذا كان فعلا هو قام بمثل هذه الأعمال واليوم وراه مسؤول، معناه احنا في حقيقة رانا في خطر، رانا في خطر، معناه الناس هذه اللي وضعوه ناس يقدروا يشكلوا فعلا المساس بالوحدة الوطنية ويهددوا السلامة الوطنية اللي راهم يتابعوا بها كثير من المعتقلين. تعرف انه كثير من المعتقلين متابعين بالمساس بالوحدة الوطنية، واذا كان هذا الشيء حدث ويحدث مثله فاكيد انه من المفروض انه هذه المساس بالوحدة الوطنية تكون من الجهة الاخرى. لكن لمن قلت من يملك القوة احيانا ويملك الميكانيزمات ويملك الآليات، أنا أقول ثنائية الأمن والقضاء اللي هم يوظفوها من وقت بوتفليقة ومن قبل من سنة و90 هم دائما عندهم الأجهزة المسيئة وعندهم الأجهزة القضائية المسيسة يوظفوها، مدام في هذه الفترة يملكوا هاتين الآليتين بإمكانهم أنهم يقمعوا ما يستطيعون قمعه، لكنهم لا يستطيعون ولن يستطيعوا أن يقفوا في وجه هذا التحول حتى وإذا سجنوا عشرات الآلاف، سجنوا مئات الآلاف. فالجزائر كما نقولوا بالعامية الجزائر ولادة وفيها شباب الآن ما وجدش ما يقراش الجرائد الصغراء، ما يشوفش القنوات التي تكذب عليه، الآن هو عنده كل معلومات وصوف في منصة التواصل الاجتماعي، عايش في عولمة حقيقية عن طريق التكنولوجيا الحديثة، ما بقاش كما نقولوا بالدرجة كالخلو. الجزائري على وعي ويعرف المستويات الثقافية والسياسية والعلمية والأكاديمية والأشخاص اللي ممكن أنها تمثله وتكون يعني في الواجهة، والأشخاص اللي ممكن تدجنه وتشوه صوته في المحافل الدولية. الآن هذه التصورات التي تخرج بها مجلة الجيش أو تخرج بها الوسائل الإعلامية العمومية والخاصة في كل مرة في محاولة لتشويه المناضلين والسياسيين والشرطة الذين يناضلون من أجل مسار تحول حقيقي، فهو هذه محاولات يائسة، لأن عهد الكورونا سينتهي وسيعود عهد النضال الحقيقي للانتقال السياسي الحقيقي من وضع يعني أسوأ ما كنا يعني حتى قلت في وقت بطلقة ما كناش بهذا الحدة من الاعتقالات. بطلقة لم يعتقل ما اعتقلوه هؤلاء في شهر أو ما اعتقلوه هؤلاء في شهر. أنا نعطيك عدد القضايا نقدر نحسبهم لك 10 ولا 15 قضية في وقت بوتفليقة. هذا في أسبوع يعتقلوا 15 سيدي. خبي. هذا أسوأ من بوتفليقة. هذا أسوأ من البوتفليقية ومن التوفيقية مجتمعين. خبي. أصبحوا يعتبروا أبناء الجزائر، أصبحوا يعتبروا أبناء الجزائر وكأنهم يعني خوانا يتابعوا فيهم كلهم بالمساس بالوحدة الوطنية. أبناء الجزائر شرفاء، أبناء الجزائر يحبوا أولادهم. ابناء الجزائر غيورين على وطنهم، هم يناضلون من اجل الوطن. ما تجيش انت تدير له المجلس بالوحده الوطنيه تخونه بكل بساطه بجره قلم، يجي جهاز الامن يخونك كما يحب لانك كتبت منشور في الفيسبوك ما تشرع بنظام الحكم، انت خاين. المجلس بالوحده الوطنيه هذه تهمه كبيره. كيف يمس بالوحده الوطنيه سمير بالعربي؟ كيف كريم طابو يمس بالوحده الوطنيه؟ هذا عيب، هذا ما يليق. هذه اشياء يعني شوف كيفاش يحبوا يحطوا من قيمة الإنسان وكل حاجة عندهم تخوين. ابقى معنا أستاذ عبد الغني بادي، إبراهيم يونسي، quand on revient à مجلة الجيش، la revue de الجيش، le titre Malheur aux traîtres de la patrie. Lorsqu'on dit que l'Algérie a des ennemis qui la guettent, font douter de ses réalisations et tentent de saisir toute opportunité pour bondir contre elle. Ce n'est guère par spéculation démagogique ou exagération, mais c'est bel et bien une réalité visible que nul ne peut ignorer. Bien sûr, il rajoute enfin, l'Algérie demeure résistante et aspire à un meilleur avenir, forte de son peuple et de son armée, qui sait comment faire face
aux crises, affronter l'ennemi et se tenir en rang serré aux côtés de ses enfants, de sa nation. Une nouvelle Algérie avec un nouveau président qui a prêté serment devant Allah de demeurer au service de son peuple, d'éliminer les traîtres et la bande et de construire un pays fort, attaché à son histoire et fier de sa révolution. Notre pays doit être celui dont rêvaient nos veillants martyrs. Qu'est-ce que vous en pensez, Brahim Younsi? Je crois qu'on parle trop, de traîtrise, et cela depuis longtemps. Cet éditorial de la revue Liche reflète ce qu'il y a dans le pouvoir lui-même. Ce sont les gens du pouvoir que l'on accuse de traîtrise, que l'on a placé en détention parce qu'ils ont trahi ou ils auraient trahi. Ils sont en train de reproduire ce qu'ils sont en vérité dans cet éditorial. Ils reproduisent ce qu'ils sont. Ils reproduisent leur nature, tout simplement, parce qu'ils s'y connaissent en traîtrise. Et les opposants, et les vieux opposants, pardonnez-moi de parler de moi, les vieux opposants comme moi en savent quelque chose. Ce sont les services algériens qui informent les services étrangers pour arrêter les opposants algériens. Et des opposants algériens qui étaient parfaitement pacifiques, mais qui faisaient de la politique, qui dénonçaient politiquement la gabegie de ce système, qui dénonçaient les dérives de ce système. Et c'est le pouvoir, ce pouvoir qui ne nous parle que de traîtrise, qui utilise la traîtrise, y compris à l'égard des détenus. Un juge libère, les services de sécurité viennent le lendemain ou le soir même pour reprendre la personne libérée. C'est le cas par exemple de Karim Tabou, il y en a d'autres. La traîtrise, c'est de venir chercher quelqu'un chez lui, femme ou homme, sans en avoir de mandat, parce que nous ne sommes pas tout simplement un état de droit. Il y a des lois, et quelquefois de belles lois, mais des lois qui ne sont pas appliquées. Nous sommes dans le système de l'arbitraire. C'est un arbitraire qui continue depuis 65, je parle de 65 parce que Bachir Hadj Ali, Allah yarhamou, a écrit un livre terrible qui s'appelle l'arbitraire. Un pays qui torture, un régime qui torture, quoi de plus que la traîtrise? C'est un régime qui a trahi son peuple, qui a volé son peuple, qui a dilapidé des milliards de dollars, 1200 à 1500 milliards de dollars dilapidés, qui a détourné des milliards de dollars. N'est-ce pas de la traîtrise? N'a-t-il pas trahi son peuple? Voler son peuple, c'est le trahir. Jurer sur le Coran et faire le contraire, y compris Tebboune. On nous dit qu'il a juré sur le Coran de... Mais il est en train de trahir, de se parjurer. Il a dit même, je sais où les milliards se trouvent. J'allais en faire référence. Il sait où se trouve l'argent, où il dit savoir où se trouve l'argent détourné. Et il n'engage aucune procédure sur le plan national. Et les gens, il les connaît. Il connaît ces gens-là. Et certainement vient le voir encore aujourd'hui à Al-Mouradia. C'est quand même extrêmement grave. C'est ça la trahison. Je n'aime pas parler de trahison, mais c'est ça la trahison. Comment accuser un journaliste?
Comment accuser un journaliste qui fait son travail? Et de dire qu'il est khabarji. Qu'il est khabarji. Comment le président de la République, illégitime d'ailleurs, puisse dire ça? Le niveau qui est celui de ce chef d'État illégitime. C'est quand même des choses que nous ne voyions pas avant ce chef d'État, il faut le dire. Très bien. Très bien. Restez avec nous, Brahim Younsi. Edir Nouran, je reviens à vous. Edir Nouran, est-ce que le peuple algérien est face à un dilemme? On a entendu Maître Abdel Ghani Badi parler du nombre des arrestations qu'on voit ces dernières semaines, ces derniers mois. Même sous le règne de Bouteflika, on n'a pas connu ça. Et le peuple algérien s'est levé, s'est irrigué depuis le 2019, le 22 février 2019, pour en finir avec le régime de Bouteflika et de bâtir une nouvelle Algérie. Et là, on voit au contraire, on est en train de vivre un régime qui est pire de celui de Bouteflika. Tout à fait. Et là où j'ai certaines nuances et différences avec Maître Badir et aussi avec mon ami Brahim Younsi, c'est que le pouvoir de Bouteflika a cessé en 2013. Ensuite, ce pouvoir a été repris par son frère cadet. Et c'est là où on a commencé à voir tout le dysfonctionnement de toutes les institutions. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme le pouvoir n'était plus incarné par le président de la République, mal élu ou peu élu, peu importe, il était là, il faisait fonction de président de la République. Ça, c'est le premier élément. Donc on ne peut pas dire sous le règne de Bouteflika globalement. On fait le procès à la fois d'un système et aussi de la personne qui l'incarne. Qui l'incarne de manière civile, parce que sachant que le préalable étant que le pouvoir se situe au sein de l'état-major. Ce qui revient à dire que, à travers tout le langage belliqueux de M. Gaed Salah, à travers toutes ses remarques, tous les éditos, tous ses discours deux fois par semaine, c'était un langage guerrier, c'était un langage qui frisait, mais vraiment qui frisait l'autoritarisme. Et c'est un langage qui voulait mettre au pas toute la société algérienne. Ils n'ont pas compris que cette société a changé et que les modes de gouvernance d'alors ne peuvent plus, mais alors plus jamais, se reproduire. Le troisième élément, c'est quand on parle de l'institution militaire. Je pense qu'aucun Algérien digne de ce nom n'a attaqué l'institution militaire. Ça, il faut remettre en perspective. Les politiques, la société, le citoyen lambda algérien a commencé à critiquer le discours politique de l'état-major. C'est autre chose. C'est Brahim qui a dit tout à l'heure, c'était la boîte de Pandore. En espérant que ce soit la mythique boîte de Pandore, où le dernier papier, c'est l'espérance. Le Hirak représente l'espérance du pays. Quant à situer le rôle de l'armée, comme dans les différents éditos, on dit l'armée est aux côtés du président. Ça veut dire que l'institution de l'armée est une institution supraconstitutionnelle. Elle détient des pouvoirs, elle les tient d'où? Elle les tient d'une constitution. Elle ne reste pas dans ses limites. Elle est là pour protéger le territoire national, elle est là pour aider les populations en détresse, dans des cas imprévisibles, exceptionnels, de nature sismique, d'un tremblement de terre ou d'une pandémie, ou tout ce qui peut arriver à un État. Mais en aucune façon, elle ne peut s'immiscer dans la politique. Et c'est là où c'est la jeune génération de nos officiers comprennent une bonne fois pour toutes qu'il y va de l'avenir du pays. Ils mettent, par leur comportement, je dirais même qu'ils frisent l'indécence, qu'ils brisent. Brahim a parlé d'arbitraire, c'est exactement ça. Et cet arbitraire conjugué à l'oppression ou à l'injustice peut entraîner de graves perspectives, indépendamment du fait que la situation économique est catastrophique, que nos indicateurs financiers sont au rouge. Et comment, on l'a dit sur vos plateaux avec vous, M. Doudi, avec M. Benchenouf, quelles vont être les répercussions de la crise économique et de la crise financière sur la nature même du Hirak?
Nous sommes véritablement dans un espace volcanique. Il faut à tout prix que l'ensemble des forces vives de la nation, l'ensemble des corps intermédiaires, l'ensemble des forces saines que compte la nation puissent aller, après le déconfinement, aller à ce que j'appelle, moi, j'appelle de mes voeux, un congrès national algérien. La constitution va s'établir avec ce conseil national algérien. On ne peut pas laisser ça uniquement à l'appréciation des juristes qui vont faire ce que je pourrais appeler quelques mesures paramétriques d'ici et là pour redorer le blason de la constitution. L'équilibre des pouvoirs est très important, mais quels moyens allons-nous mettre pour leur équilibre? C'est toutes ces questions qui doivent nous agiter tous ensemble, chacun à sa juste place, chacun à sa mesure, pour essayer de faire avancer les choses. C'est dramatique d'en être arrivé là, c'est dramatique que le pays souffre comme ça dans sa chair, c'est dramatique qu'on mette en prison des jeunes journalistes, comme je pense à Khaled Drani, un journaliste professionnel, qu'on accuse d'être à la solde de pays étrangers. Mais ça veut dire quoi? Ça ont-ils des preuves? S'ils ont des preuves, qu'ils les disent. Mais ça ne peut pas faire l'objet de commentaires fallacieux, à la limite, qui attaquent à la fois sa dignité d'homme, sa dignité de patriote et son métier de journaliste. Très bien. Restez avec nous, Ediru Nouran. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Abdelghani Badi, très rapidement, Ediru Nouran parle d'une situation volcanique. Waqi' yani burkani, walakin yani kifash rak tchouf انت يعني الرد تاع الجزائريين ضد هذا يعني التعسف وال يعني الاعتقالات اللي رانا نشوفوا هذه الاخيره وهذا الكم يعني من لا ريبريسيون كيفاش راك تشوف رد الجزائريين وانت قلت في كلامك يعني في التدخل تاعك قلت ان الجزائريين وصلوا لواحد الوعي حتى النظام ما فهمش يعني هذا الوعي اللي وصلوا ليه الجزائريين Abdelghani Badi, je pense qu'on l'a perdu. Brahim Younsi, je vous pose la même question, Brahim Younsi. Laquelle? Vous ne m'avez pas entendu. Comment vous voyez les choses évoluer, Brahim Younsi? Bien sûr, Ediru Nouran parle d'une situation volcanique. Le régime est dans sa logique, vous l'avez dit. Mais on n'a pas bien compris aussi votre réponse par rapport à la réponse des Algériens. Après la fin de cette crise sanitaire, comment les Algériens vont réagir face à cette escalade de répression si on compare, et Abdelghani Badi l'a dit dans son intervention, qu'on n'a pas connu ça même sous le régime de Bouteflika. Oui, bon, moi je ne fais pas de comparaison entre le régime de Bouteflika et celui-ci. C'est pour moi la même situation répressive qui continue. Elle s'amplifie parce qu'il y a la révolution. La raison pour laquelle il amplifie la répression pour décourager les Algériens de retourner et poser d'une façon... Très bien, pour décourager les Algériens. Ça, on a compris, Brahim Younsi. Mais comment vous voyez les Algériens réagir après la fin de cette crise sanitaire? Mais ils réagiront d'abord comme ils l'ont fait. Mais ils ne vont pas faire du surplace. Je pense qu'ils vont ressortir dans la rue, et cela a été le cas il y a une semaine à Beni Wrzila, où la population est pour dénoncer les arrestations, pour demander, exiger la libération des détenus politiques. L'esprit de la révolution est toujours là, il est toujours incarné. La population n'a pas baissé les bras. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne restera pas que le sourire de la révolution. C'est la révolution et elle demeure malgré les ruptures, malgré le tendre de la rupture. La révolution est toujours là et elle est dans nos têtes. Les Algériens marchent encore dans leurs têtes. Les Algériens revendiquent encore et ils amplifient. Ils sont en train de multiplier
les exigences. Et il faut absolument le système d'exigence. Parce que le système récupéré des discours narcotiques, et ne voyez pas d'allusion dans ce mot, et il fait des discours narcotiques, il veut endormir la population. Pour leur dire qu'économiquement, et mon ami Idé Mounourin l'a dit tout à l'heure, et quand il dit qu'il y a encore de l'argent, les caisses de l'État sont vides. Nous savons que la situation socio-économique est terrible et que la question sociale va revenir de plus belle. D'ailleurs Abdelmadjid Tebboune a des journalistes de parler d'une crise sociale. Oui, il y a une crise sociale à laquelle le pouvoir répondre parce qu'il n'a pas les moyens d'y répondre. Très il bien. Ne peut plus répondre aux exigences. Alors il faut mieux. Très bien. Et la population doit absolument continuer à surcharger le système d'exigences politiques et sociales. Merci. Merci, Brahim Younsi. Dernier mot à vous, Edir Ounouran, très rapidement. Brahim Younsi dit que la révolution est toujours en marche et les Algériens sortiront, bien sûr, pour continuer leur révolution. Qu'est-ce que vous en pensez, Edir Ounouran? Comment vous voyez les choses évoluer dans les semaines à venir, surtout qu'on parle du retour de Hirak avec une certaine force après cette pandémie? Idir Ounouran? Oui, je disais que cette révolution, ce Hirak ne pourra jamais se terminer. Cette révolution ira à son terme. Maintenant, il faudra être réaliste, il faudra être dans la réelle politique. Cette révolution aura un coût. Il y aura un coût économique, il y aura un coût social. Sommes-nous tous prêts à le faire? Je pense que oui. Parallèlement à ça, imaginez-vous tout simplement dans cette configuration. Le président Tebboune a décidé qu'il y aurait des élections présidentielles, des élections, pardon, législatives au mois de décembre, uniquement pour renouveler sa majorité parlementaire. Quel parti politique, là, aujourd'hui, peut espérer? Il a dit aussi qu'il n'aurait pas, que son intention n'était pas de créer un parti politique. Sur quelle majorité peut-il s'appuyer pour gouverner, pour présider? Monsieur Tebboune ne peut pas présider à l'encontre de son peuple. On ne préside pas quand son peuple est contre. On démissionne. C'est une décision c'est une décision qui doit être envisagé. À partir du moment où le Hirak ne reconnaît pas cette élection, à partir du moment où le Hirak se trouve excentré à la marge de ses propres revendications, on ne peut pas avancer. On aura une crise institutionnelle, mais faudrait-il encore que l'opposition prenne la mesure du blocage du pays. Allons-nous aller vers un blocage général? Quelle décision le Hirak ou ses leaders prendront-ils? C'est toutes ces questions qui doivent nous agiter. Nous ne pouvons plus rester dans le commentaire et dire que bon, la révolution, c'est bien. Il faut aller maintenant dans du concret, comme je le dis souvent. Il faut à tout prix réidentifier les acteurs, trouver les outils et choisir la bonne méthode. C'est à travers ces trois aspects de la révolution que nous pourrons arriver et commencer à travailler pour détricoter le système. Merci, merci à vous, Edir Ounouran, analyste politique, qui vous étiez avec nous. Merci, Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Merci à vous. On s'excuse, il y a eu quelques coupures dans votre connexion, surtout que ce n'est pas facile avec les Skype en ce moment et les téléphones. Merci à Maître Abdelghani Badi, avocat défenseur des droits de l'homme qui était avec nous. Certes que les Algériens seront toujours mobilisés pour un changement radical du système. Ce que l'histoire fait, l'histoire le défait. Dawam al-hal min al-muhal. Sahaf turkum, wabqaw ala khair.